Accessoirement, Gotaga, ça devient un monstre sur Fortnite. Oui, mais après, tu peux le ramener, gros. Hein. On va faire, on va quand on sera monté, on fera des curseurs aléatoires. Ouais, vas-y, ça roule. Ouais, mais après, il joue enfin, comme vous voulez. Ouais, invitez-nous si vous voulez. Qui crée du coup le mode là? Quelqu'un se lance. Bah, moi, je l'avais créé une, mais j'ai bugué, du coup, ça va être chiant. On se fait une quand même, t'inquiète, mon qui, on rejoint après. Sinon, on peut aller sur une salle, on crée une salle, et puis celui qui bug et a déconnecté de la partie, admettons, ça, si ça arrive, il pourra revenir sur la salle, revenir. Ouais, je sais pas. Ouais. Vas-y, je crée une salle. Et je l'éclaire en bois de la colline. Essaye d'en créer une avec le parti, Mathieu. Bien joué, ça. Tu vas dans la partie, tu vas dans le jeu collectif. Baisse-toi, toujours. Tu sautes trop, faut pas sauter, faut que tu fasses des dashs comme ça. Ouais, utilise ça pour avancer et ton clone aussi, tu sais, enfin, voilà, faut vraiment pas que tu sautes. Sinon t'es complètement ouvert. Mais Mathieu, tu fais que ma vie d'un Mortal Kombat, mec. C'est pas bien ce que tu fais. Bah ouais, mais on t'attend, mec. On attend quoi? C'est vraiment pas ça, il reste toujours en garde aussi. Là, dès que t'es, tu vois, dès que tu te fais hop, tu retournes en garde direct. Tout de suite. Sauf à la relevée, ils utilisent jamais la garde à la relevée, fais quelque chose, tu vois. Si j'achète ce mois-ci le Mortal Kombat, bah je vais rien manger. Non, si, si, je vais manger, mais. Ouais, je peux. Ouais, je serais capable de le faire, c'est chiant. 70 balles, écoute, sur PlayStation. 46, 46. Ouais, il est cher quand ça sort, par contre. En magasin, tu peux le trouver à 46 dans les Leclerc. Car... Ouais, je vais le prendre de balle. Bah ouais. C'est la vie. Mais j'ai personne à 5, et j'ai envie de le fumer aussi. Ma portée, il est trop bien. Personnel, il est cool. Bah, il est trop bien, mec. Ouais, j'ai vu, il est pas cher là, je me tâte aussi. Bah, il valait 70 balles, il y a même pas 2 semaines. Et il y a quoi, 29 non? 39, je sais pas. Avec le DLC. Oh, j'ai pris 29. Ah, je suis tâté sur plein de jeux. J'ai failli racheter ma Nier Automata. Bien plus. Ah ouais. Tout le monde m'en parle de The, il me dit c'est trop bien et tout. Ah ouais. Ça me dit trop pas. C'est sûr, hein, c'est dur, hein. Ah ouais, moi je suis pas là. RPG un peu non? C'est un RPG, Ah c'est un gameplay entre Final Fantasy XV et Devil May Cry. Ah ouais. Il est violent, hein, il est violent de ouf. Moi c'est l'aspect graphique, c'est l'univers, il me plaît. J'ai du mal. Ouais, il m'a fait bander le jeu. Hein. Ah ouais, 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 tout le monde me dit ça. C'est Vida ou je sais plus qui m'a dit ça aussi. Pour moi, c'était le chef-d'œuvre de l'année 2017 qui est sorti, je crois. C'est le chef-d'œuvre de l'année. Les gars, il manque des gens, hein. On va le rond de la colline. Bon, on va arriver. Ah. Je vais accepter, moi. On est que 4 là. Hop, rejoindre. Ouais, j'arrive, t'inquiète. Pareil. Come on, come on. Come on, everybody. Non, je rigole, j'arriverai jamais. Alors, les out, silence raciste. Personne dans votre pigeon voyageur aujourd'hui? Non? Personne? N'est-ce pas? Je ne vise personne. Si je vois pas que des 10, ça va pas le faire. Oh, les stats goldés. La 39ème défaite de Mathieu. Et toi dans Persona, tu t'embranles ou tu dis merci à H24? Ça dépend de feeling. Y'a le mec avec un vieux nez de malade là, je vais lui dire merci, je crois. Ah, t'avais pas le choix. Ouais, non, si j'avais deux merdiers. Ah, mais excusez moi, je voulais pas lui dire merci à lui. Et en fait, mon personnage a dit ouais, j'ai pas assez les couilles de pas lui dire merci, quoi. Sérieux? Ouais, essaye, hein, on va voir. Du coup, c'est quoi? C'est un roi de la colline aléatoire, les gars? Ou ouais, on va faire ça. En fait, on est un roi de la colline privée, donc les stats ils comptent pas. Ok, mec. Bah ouais, on se met en aléa, c'est marrant. Oh, le bâtard, il te met pas de merci. On a j'avoue, j'ai pas dit merci. Il a pas dit bonjour. Faut dire merci, les mecs, ça marche vachement bien. À part avec ce fils de pute là qui est en face de moi, mais. Et hier on a commencé comme ça, et après on faisait quoi? Le premier il prenait son perso,
et dès qu'il gagnait, le perdant il choisissait son personnage. Ah, trop bien ça, ouais, c'est marrant. Vas-y, Mathieu, je prends qui? Collecteur. Ah, on fait direct. Il sait jouer collecteur, je crois. Ah, collecteur, il m'a fait chier tout à l'heure en tour là. Hey, it's online, me. Gollum. Ah oui. Le goro du pauvre quoi. Hey guy, motherfucker. J'avoue, c'est un goro sans prot. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il a été privé de dessert toute sa vie, gars. Un goro croisé avec un Ermac. Avec un Gollum. Oui, ouais, c'est vrai, c'est ce que je pense aussi. C'est un fumier croisé avec un. C'est peut-être leur fils caché, on sait pas. Hein. Mike, ça va. Ouais, je prends le perso. Je prends un perso. D'accord, ouais, mais si je prends un perso, tu prends un perso que tu veux, si tu gagnes, et bah du coup, le perdant il choisit le perso que tu dois prendre après. Donc, d'accord. Ok, ouais, d'accord. T'as des couilles, c'est ton perso de l'été. Non, je le prie, parce que vu que je sais que c'est un perso, c'est pas ton perso. Je vais tester avec lui. Non, c'est ça, faut relâcher, c'est, tu peux le retenir en fait. Ouais, tu peux le retenir. Faut direct le faire. D'accord. C'est un peu comme dans Soulka, ouais, tu vois, avec le coup carré triangle. J'ai envie de me battre. Le triangle. D'accord. Ouais, faut le. C'est tout celui à Johnny, tu vois, il est déjà plus long que la moyenne. C'est max cool. Elle est dure à jouer, j'avoue. Non, pas de. Il a pas de starter rapide. Je trouve, c'est son problème. C'est trop compliqué à jouer, moi. Ouais. Pour voir ses combos, c'est chaud. Ouais. Il y a tellement des starters lents. Qui envoie des chaînes, il a l'air fumé lui. Qui envoie des chaînes. Scorpion. Oh, ta chaîne, c'est Scorpion. Il a l'air énervé, lui, non? Bah, il est fort, je pense, bien joué. Ça doit être une sorte de Quan Chi bizarre. C'est un zoneur, non? Puis il a de la. Ouais. On dirait un peu Scarecrow dans Injustice, là, l'épouvantail. Ouais. En plus rapide. Oh, le cassage de noix! Carrément! Bon, alors je vais essayer de faire le fatal blow. Il fait pas crushing blow quand tu le comptes, ça, en punition, le casse-moi. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai fait le con. Ouais. Non, parce que en fait, si tu veux, vu que t'as l'arrivée pas réussi, j'ai pas réussi à le faire. Je m'étais dit, je vais essayer de. Le, je sais pas, ouais, non, mais c'est vrai que j'étais bien prévenu là. Ah, c'est. Alors là, je vais faire un petit supercut. Ça, c'est mignon. Ah merde. Oh, le craquage. Le kick, mais le kick. C'est qui le meilleur joueur, c'est quoi? Je sais pas si. Je dirais. Mathieu avec son scorpion. ouais, c'est vrai. Après, j'ai pas joué avec tout le monde. Mathieu, dans 3 semaines, je t'encule. Pareil, c'est prévu avec Liu Kang.
Je me suis mis un ulti personnel. Oh, il est trop cool. T'es énervé. Marie-Louise, elle est parapluie, elle encule tout le monde, non? Salut. Ouais, salut Kylian. Salut Kylian. Mike, du coup, je prends qui? Alors, je vais te dire ça. Je suis en pleine. Je suis en pleine tourmente. Que je vais te faire prendre parce que j'oublie pas que tu m'as quand même battu. Alors, voir que je me venge d'une manière. Non, je dirais. Qui c'est que je pourrais te faire prendre? J'ai pas l'air donne encore. Ouais, Kotal Kahn. Oh non. Oh, c'est moche, c'est très moche. C'est vraiment moche ça. Kitana. Tu prends la variante gros bidou. Ah, j'ai pas essayé, après là, j'ai pas essayé. Regarde maléfique. Bah, tu sais que dans les premiers Mortal Kombat, quand tu faisais le tout premier, quand tu faisais un hypercut, t'avais un rire derrière. Le Toasty peu... Non, t'avais pas le Toasty. Ah, Shao Kahn. Ah non, oui, oui, t'avais Shao Kahn. Toasty. Toasty. Ah bah, dans le tout premier Mortal Kombat, c'était là. Ils auraient dû le mettre dans celui-ci, le Toasty, je suis désolé, c'est un bon. Un petit Toasty. Toasty dans l'arène du tour. Je sais plus c'est à quel time il y a les jeux vidéo là, c'est le temps. C'est vrai, c'est. Ouais, il y a le Toasty, je crois. Ouais, bah ouais, ouais j'ai pas cité. En arrière-plan des fois. Ouais, ah ouais. Non, mais tu l'entends pas. Oui, tu as la petite allure. Oh là là. En vrai, Coco, ça fait plaisir de jouer à un jeu en B en vrai. Je te jure. Ouais, mais c'est vrai, ça change. Hein. Ouais, grave. Et moi, ça te fait bosser en même temps que jouer. C'est... Le coup d'épée par la troisième, dessus la troisième corde. Et apparemment, tu peux monter à des niveaux malades, hein, genre des sous 99. C'est un combo, qu'est-ce qu'il est chiant. Ouais, c'est un truc de fou. Oh là là, la violence de scorpion. En fait, Matt, tu sais, tu voulais regarder le dernier film de Van Damme? Ouais. Luca? Il y a sur le Play Store, je sais pas si. Il est cool ou pas? Non, moi j'achète pas le film sur Play Store. Ah. Moi je suis fan de Jean-Claude Van Damme aussi. Oh, la joie. Ouais. C'est 2,90€ si tu veux. De Van Damme, 2,90€ jamais. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ah mais là, là, Enzo, il va jouer. Il va jouer Jax. Vas-y. Qui va jouer Jax? Moi. Mbappé, il a pas l'air de vouloir rester. Hein. Non, il vient pas. Je pense que plus qu'il a une connexion de merde, parce qu'il revient ici. En tout cas, il a l'air mignon quand même. C'est le pote à qui Mbappé? Je sais pas. Bah, c'est le pote à Neymar, non? C'était une petite blague, les gars, désolé, hein, c'était facile. Elle était pas mal. Elle était bien. J'aime bien. Ah, bah, c'est cool si vous avez aimé. Mmh. C'est vrai que ça aurait pu être Todo qui l'aurait fait. Ça. Ouais, c'est vrai, c'est des blagues à moi ça. C'est des blagues à moi, ça va pas le cas si tu commences à faire des blagues à ma place, bah, mon gars. C'est plus drôle que toi, mec. Mais non, c'était pas possible ça. C'est pas possible. Ah, si. Regarde, moi je dors dans le métro sans pression. T'as pas encore entendu mes commentaires de génie, mon gars. Attends que je me mette à commenter MK. Mec, toi t'es pas dans le métro avec moi et je sais pas combien de japonais là. Ils sont tous bridés là. D'ailleurs, la petite en haut à droite, je fais très bien un petit coup quand même. Bon, je suis croisé entre Rambo et je sais pas qui. Non. Je connais presque pas. Mais c'est un jeu de quoi auquel tu joues, Persona, c'est quoi ça? C'est un RPG. Ah oui, RPG, oui, ouais, d'accord, ok. Tu es entre Devil May Cry et.
Non, Non mais là du tout en fait c'est le problème en fait, enfin, le problème, la comment dire, le délire de ce jeu là en fait c'est que t'as une vie IRL en fait. Ah ouais d'accord. En journée tu dois interagir, tu dois lycée et tout ça. Ouais ouais puis ouais faut faire des bons choix et tout. Et la nuit tu te, en gros la nuit tu casses des culs. Ah d'accord ok. Ouais c'est, d'accord ça me fait penser Ouais t'as un double, d'accord t'as un double jeu quoi en fait dans le... Ça fait penser à un jeu. Bon, ça a rien à voir du tout, hein. Mais quelque part, par exemple, tu prenais un jeu comme Soul River, je sais pas si vous connaissez. Oh, Soul River. Soul River à la base, ah ouais, c'est trop bien. Il y avait deux mondes différents, tu sais, à chaque fois. Ouais, ouais, le réel et le les âmes. Voilà, c'est ça. Oh non. Comment il s'appelait déjà le personnage de Soul River? C'est Raven. Raven, non. Raven, Raven. Ouais, c'est ça. Soul River, c'est pas un manga, déjà? Je crois pas. Ah non, c'était même seul, peut-être. C'est un vieux jeu, hein, il était sur... Allez, Jack. CS2, je crois, t'as C'est ça, ouais, mais j'aurais eu une chance face à un autre perso, et il est trop rapide. Ouais, il est rapide dans les pocs et tout, le poke. Ouais, c'est clair. Et c'est pour ça que Jax, ils l'ont trop mal fait, parce qu'il est trop lent face à des persos comme ça. Ouais, mais après, tu vois, il a pas de culot, Liu Kang et tout, tu vois, enfin, tu peux quand même le niquer sur tes carottes, sur ta choc, t'as vu. Gokuro, c'est un merdier, hein. Elle peut se diriger dans le jeu, waouh. Mais non. Je prends qui? Tu dois faire quoi là? Tu vas me prendre Geras. Sushin Academy. Geras, vraiment? Ouais, je suis dans le métro. Allez, faut que tu regardes les petites pancartes à chaque fois. Ah, tu as la ligne. Special Forces Desert Command. Oh, t'as pas pris Noob Monkey? C'est là que je commence à arriver dans le château et enculer un premier gars, je crois. Je connais pas du tout Geras. Ok, d'accord, j'ai pris le meilleur coup. Et le Geras qui est reparti. Qui lui casse le cou? Oh, et qui lui casse la mâchoire? Il est à croix de Sub-Zero. Il est trop belle. Ouais, il est bien celui-là, ça j'aime bien. Ah, j'aime bien cette Geras. Le retour en arrière, comme ça, c'est possible. Est-ce qu'il y a moyen de spammer des coups comme dans Tekken dans le jeu? Non, pas comme dans Tekken. Tekken, c'est abusé. Ouais, Tekken, ils ont tué le jeu, je trouve, moi. Le coup de pierre tourné en boucle. Tekken, ils ont tué le jeu, je trouve, un peu. Avec leur... ouais, les ultras, ça sert à rien dans Tekken. Enfin, pour moi... Ah, gros. Hein? Ouais, il veut défoncer. C'est quoi ton rang dans Tekken 7? Ah, mais j'ai les noms, mais mec, moi, je parle de Tekken, il y a au moins 500 ans, moi, à peu près. Tekken 3, quoi, tu vois. Tekken 7, Moi, je faisais encore des P avec God que t'étais pas né, frère. Bien joué. C'est quoi ces coups spéciaux à Geras? Alors ça, attends. Le gauche droite front, je crois qu'il me fait un peu. Le droite gauche front là aussi. À la gauche droite. Le gauche droite triangle. Ouais, peut-être gauche droite triangle. Il doit faire une shot. Ah, gauche droite triangle, il me semble qu'il fait une shot et il le jette sur. Il me défonce. Je suis décédé. Finish him. Bien joué, Monkey. Attention, t'as un merci qui peut peut-être te sauver. Non. Oh. Pas de merci. Je pense qu'il sait pas faire, Monkey. Le respect est à zéro. Zéro de respect.
pseudo et voulait gagner. Avec Gera, je crois que c'est. Du quoi? T'as commencé du ranked un peu sur Mortal Kombat ou pas encore? Ouais, j'ai commencé. Et alors? Après bah ouais bah ça va, après c'est pas mal, tu sais, c'est sur une base de 3 combats, c'est un first to free. Ok. Bah, c'est un peu dans le même délire qu'Injustice 2, tu vois, t'as 3 combats et tu prends mon key, tu prends. Raiden. J'ai même pas regardé combien je suis classé, mais je n'ai pas fait beaucoup, je fais plutôt des matchs relax, tu vois. Ouais, carrément. C'est une balle en classement, et les gars quand ils perdent, ils spam souvent, malheureusement. Ouais, mais ça, le spam, c'est pas un truc très dérangeant quand tu sais jouer, tu sais, je trouve. Enfin, moi, perso... Spam de quoi? Bah, ils vont prendre une balle en classement, ils vont se mettre à distance, ou alors ils vont savoir te faire un combo, ils vont te faire en boucle. Ouais, je vois le truc. Ouais, ils font des Tekken, quoi. Et niveau perso, c'est quoi, Matt, un peu la tendance? Mais après, tu vas te rétro à un certain niveau, tu peux leur montrer leur combo, mais ça reste chiant. Ouais, c'est chiant, t'es habitué, c'est chiant de se mettre à leur niveau, quoi. Voilà, non mais je comprends. Mais si tu gagnes la partie, tu t'es vite laté. Ouais, je vois bien. Tu dois en enchaîner 3 derrière, t'as envie de quitter. Ouais, je comprends. Le problème, c'est quand ça te dégoûte du jeu, en fait. C'est comme Dragon Ball FighterZ un peu, tu vois. C'est comme Dragon Ball FighterZ en fait. Soit t'as des rage quitters, soit tu vas avoir des mecs trop forts pour toi, soit tu as des mecs de ton niveau et ça va le faire, mais c'est très très rare de tomber sur des mecs qui vont faire plusieurs parties contre ton niveau, quoi, tu vois. Finalement, soit les mecs vont se barrer. Ouais, il est cool, hein, mais en ranked, c'est juste affreux les. Enfin, en tout cas, sur console, hein. Sur PC, peut-être pas, tu vois, mais. Il y a plus de joueurs PC déjà. Ouais, je pense. Des Bardock, des Végétaux, et voilà quoi. Mais ouais, non, mais c'est clair. Mais après, ouais, tu vois, c'est. On en parle des DLC payeurs sur Dragon Ball. Bah, surtout les Goku quoi. Ouais, Goku tout le temps. Allez, c'est 5 euros. Il est pas content, Mathieu là. Ils sont pas chers. Mais ils mettent. 5 euros le perso. Ouais, c'est abusé. Ils s'emmerdent pas les enculés, putain. Bah, Tekken c'est pareil, hein. 5 euros le perso pété en plus. Ouais. À part Broly, j'ai pas entendu de mon perso. Non mais si, par contre. C'est Videl. Ouais, c'est Videl la meilleure. C'est tous ceux qui sortent en dernier qui vont être goldés. Ouais, Videl elle est trop forte, hein. Videl elle est trop forte. Ah ouais, il y a Jiren, Videl. À l'époque, tu te rappelles quand c'est sorti, c'est C18 qui était là. Ouais, elle était forte. Bah maintenant, C18, on voit pratiquement plus, tu vois. Là, la tendance, c'est genre, il y a beaucoup de Goku Super Saiyajin, des Black Goku, des Bardock. Des végétaux. Le Black Goku il était fumé déjà d'entrée de jeu. Ouais, là ils l'ont. Écoutez, le meilleur c'est Yamcha. Yamcha il est trop fort aussi, ouais. Non, mais Yamcha est trop fort. Hein. Non, Yamcha est trop fort. Yamcha est devenu trop fort. Y'a qui d'autre qui. Ouais, mais. Ouais, Yamcha il est trop fort. Il est trop joué. En premier, il est trop fort. Ouais, je te jure. Hit est devenu fort aussi. Hit est devenu fort. Piccolo est devenu fort. Goten ça a été nerf. Ouais, moi je joue Piccolo. Ouais. Bah moi ma team c'était Piccolo, Hit et comment il s'appelle Kula Non. Ah, je sais plus son prénom. Freezer, Cell. Le gant vert, Cell. Ouais, Cell. Ah désolé, j'ai mis un neuf. Gant vert, mais mec, t'es fan de Dragon Ball. Sérieux, ouais. Non, pas trop. Non, désolé. Guldo Je valide, hein, je kiffe à fond, mais je regarde que les films, quoi. C'est pas Guldo? Niveau manga, je regarde pas trop, les gars. Ouais, moi, c'est la vie. Dragon Ball, c'est la vie. Mais ouais, du coup, et puis là, ils vont sortir... Dragon Ball Super, le dernier épisode de Dragon Ball Super, comment il était monstrueux, gros. Ouais, mais Dragon Ball Super, comment c'est pas monstrueux, par contre, c'est trop inégal, justement. Il y a des épisodes comme ça, il y a des épisodes de merde avec Brienne, l'amour... Ouais, il est mortel. Ouais, même, quand tu regardes, en fait, le combat de Jiren, il est mortel. Tortue Géniale, ça va quand il est là, tu vois. T'as quoi d'autre qui est cool? T'as Vegeta Topo, là. Il est cool aussi ce combat, tu vois, mais t'as plein de combats où Osef, tu vois, il respecte trop pas de perso, tu vois. Genre Gohan et Piccolo, ils ont trop pas respecté. Ah ouais, ça fait chier, t'es. Gohan, tu le vois, avant le tournoi, il est en mode Gohan Ultime, il se tape avec Goku Saiyan Blue et il se transforme en Shikamaru. Non, mais faut arrêter les conneries. C'est mort. C'est un Shikamaru. Il est là, ok, il est malin, mais franchement, ouais, non. Ouais, mais le combat qu'il fait contre le bordel, là. Dispo est...
quand il se fait enfermer avec, avec Freezer là. C'est ouais, ouais, avec Dispo là, avec le lapin, non? Ouais, Dispo, ouais. Ouais, ouais, il est trop cool. Bah, lui, il est cool ce combo aussi. Ouais, lui, il est stylé, Dispo, moi j'aime bien. Mais t'as des trucs par contre. Ouais. Ouais, mais Gohan, c'est Gohan, tu vois, c'est lui qui a battu Cell, merde, fais chier. Fais chier. Mais grave, c'est lui qui a mis le branlé à bout. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, c'est même pas ça, c'est qu'ils ont fait un sondage de popularité en fait, juste avant le combat Boo. Et en fait, c'est Goku qui est ressorti, tu vois, et du coup, il a dit bon, bah, je vais remettre Goku sur le devant. Normalement, ça devait être Gohan le héros, mais déjà le lycée, ça allait pas, tu vois. Ouais, ouais. Mais vous savez que tout Dragon Ball Z, c'est passé comme ça. Bah, ouais, c'est ça, c'était que des sondages et tout. Je devais juste être un machin, je devais pas rester. Ouais. Ouais, ouais, carrément. Pareil, ça devrait s'arrêter à Freezer normalement, tu vois, ça devait s'arrêter. Mais sauf que vu qu'il y a eu des trucs, tu vois, pareil. Pas forcément, mais. En tout cas, Sangoku devait être mort et devait pas revenir. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était Gohan normalement le héros. Ouais, c'était Gohan. Mais sauf que vu qu'il y a eu des sondages dans le Shonen Jump et tout, et pareil, tu vois, par exemple, les méchants de l'arc Cell, ça devait être juste être Gero et C19, tu vois. Après, ils ont pas aimé, ils ont fait C17, C18, et il y avait pas encore assez de charisme, donc il a fait Cell, et là, Cell, il a. Tout le monde a dit, ouais, lui, trop bien dessiné. Mais oui. Mais même les Cell Junior, juste la phase avec les Cell Junior, comment ils les défoncent, alors tous ils se font taper, lui en 2-2 il est one shot, il récupère le truc de Senzu là, en mode de... Oh je l'ai pas vu prendre les Senzu. Mais c'est pas que c'était l'aboutissement, tu vois. Mon perso préféré de Dragon Ball, c'est pas Goku, hein. Là, moi non plus, moi, c'est Piccolo. C'est Gohan, hein. Moi, c'est Piccolo. Piccolo, Gohan et Vegeta en 3, tu vois. Mais Gohan, jusqu'en fait, jusqu'à Boubou. Boubou. Ça se dit encore, Boubou? Jusqu'à Bou. Moi, c'est Gohan et Piccolo. Et arrivé mid-Bou, tu vois, genre quand Gohan, justement, tu dis, il fait le con et qu'il est trop débile et qu'il y a le sondage, là. Ça se part en couille, je trouve. Ça devient, Ouais. Trop d'incohérence, ouais, tu vois. Mais de toute façon, pour que ça dure, il faut de la popularité. Et... Bah, c'est ça. C'est ça le problème, tu vois. Et là, tu sens aussi que Super, tu vois, ça va être Vegeta bientôt parce que la. Tu sais, là, comment la doubleuse de. Oh, ça a bugué là, non? Non, ouais, mais je pense que tu vas voir, par contre, c'est sûr, ils vont faire un power-up sur Gohan. C'est obligé. Tellement. Tout, les gens, ils ont dit, tiens, rien que pour la mèche de Gohan, t'as vu comment les mecs ils ont crisé? Ouais, ouais. Mais moi, pour moi, ça va être Vegeta, tu vois. Non, mais sans déconner, hein. Et pour une mèche, il y a tout. Il y a toute la planète qui a gueulé pour une mèche. Ouais, ouais, non, mais bah, après, c'est Dragon Ball, hein. Tu touches pas à Dragon Ball, tu vois. Enfin, c'est comme le survêt qu'ils lui ont mis, quoi, tu vois. Dans. Le survêt, il est affreux, tu vois. Le mec, il est en survêt, quoi. Tu touches pas la mèche de Gohan, à quelle heure tu touches la mèche de Gohan? Bah, ouais, c'est clair. Mais bon, c'est du Dragon Ball, quoi. Mais ouais, non, c'est Super, c'est de la merde, hein. Franchement, Super, c'est de la grosse merde. Tu perds son esprit caillou. Ah, de ouf. Ah, ouais, le combat là. Ouais, ouais, il est mortel le combat. Et comment ils mettent le jour dans la nuit là, quand ils montent tous les deux, qu'ils se mettent une patate, ça fait il fait toujours partout là. Non, c'est trop bien, mais voilà. Ouais. Non, c'était trop cool, hein. Mais après, il y a des moments où, ouais, voilà, Osef quoi, tu vois. Genre, moi je suis désolé, mais l'arc Beerus il pue la merde dans le manga. L'arc Zamasu, ouais. Ouais. Oh, j'ai kiffé, l'arc Zamasu, il est cool. Ouais, mais. Blue, gros. Oh, ouais, mais Zeno il arrive, il fait bon, bah allez, je claque des doigts, tout c'est fini, merci, au revoir. T'es gros ex Deus Ex Machina, tu vois, non. Avant, je suis désolé, mais je sais pas, vous avez quel âge tous? Je pense qu'on a tous à peu près le même âge. J'ai 32, mec. Ouais, voilà, donc tu te rappelles quand on était petit, qu'on attendait si on savait pas quand Goku il est mort là, et qu'on savait pas s'il allait se faire niquer Gohan ou pas, tu ouais, vois. Tu vois, tu te rappelles? Tu te rappelles? Eh bah, tu vois, on était là en mode oh putain, qu'est-ce qui va se passer? On savait pas ce qui allait se passer, tu vois. Et là, c'était trop en mode, bah, on s'en fout de ce qui va se passer parce qu'on sait que ça va bien finir, tu vois. Ça se voit que ça va bien finir, on le sent que ça va bien finir, tu vois. Y a pas d'enjeu en fait. T'as guetté le club Dorothée quand t'étais gosse? Ouais, carrément, bah ouais. Je regardais quel le survivant. Ouais, bah ouais. Genre le club Dorothée, il s'est arrêté avant la fin de Dragon Ball. Ouais, ouais, carrément. Après, j'avais commandé les VHS, tu te rappelles? En tabac, t'avais les VHS de DBZ et tout. Et... Faut descendre un peu votre micro parce qu'on entend vous, j'entends pas. Ah, désolé les gars. Ouais, je voulais dire France. Désolé les gars. Ok. Je vais baisser ça. Alors attends. Ouais, on. C'est Dragon Ball, j'étais parti, désolé mec. Alors attends. Non, mais pas de problème. C'est mieux comme ça? Ah, il est pas mal, ouais, c'est mieux. D'accord, désolé mec. Moi, c'est mieux aussi ou quoi? Ouais, c'est ça mieux, va, nickel. Nickel. Mais ouais, Dragon Ball, c'est la vie. Mais super, ouais. Ouais, c'est un manga, j'adore.
Dragon Ball, Naruto. Senseiya. Dragon Ball, Senseiya, moi. Naruto. Ouais, non, mais non. Ça et Omega, je cautionne pas non plus, tu vois. Je valide pas. Ça, je regarde même pas, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Si je regarde un truc de gonzesse, tu vois, je regarde Sailor Moon. Direct. Direct. Mais direct, tu vois, ça, Sailor Moon, ça passe, tu vois, avec Mars et tout, là. Ouais, ça passe. On a tous eu notre petit crush, hein. On avait tous notre petite Sailor Moonette préférée quand on était petit, hein. Bah, c'est Sailor Moon, quoi. C'est... Ah ouais. Avec son chapeau, là. Son chapeau haute forme. Ah ouais. Mais juste les méchants dans Nicky Larson, c'est avec leur voix. Les feuilles. Non, c'est trop bien Nicky Larson. Ce serait fou. Le film il est bien en fait avec. À ce qui paraît, franchement, à ce qui paraît, il est vraiment cool. Ouais, il est marrant, il paraît, ouais. Non, tout le monde a dit que c'était pas un navet. Ah non, mais tout le monde a dit qu'ils ont trop respecté, que c'est vraiment Nicky Larson et tout, tu vois. Ouais, carrément. Justement, tout le monde allait dire que ça allait être un navet, qu'ils avaient peur. Mais le mec, apparemment, c'est un gros fan. Et il a carrément repris des plans du manga et tout. Enfin, le seul truc qui pose un souci, en fait, c'est que bah il est pas japonais, tu vois. Mais en vrai, le film en lui-même, c'est un Nicky Larson, ils ont dit, tu vois. C'est vraiment du Nicky Larson, tu vois. Ouais, ils l'ont bien fait. Ils l'ont trop bien fait. Bah ouais, mais moi aussi, tu vois. Et surtout pour... Ouais, Jimmy, Philippe Lachaud. Ouais. Mais carrément, à ce qui paraît, ça a carrément été envoyé au Japon. Il a envoyé le scénario au Japon. Il a été voir le créateur de Nicky Larson qui a validé le truc et tout. Hein. Ça a été ouais, carrément. Ouais, il a grave respecté le truc en fait. Tout le monde a dit, même le chef otaku, tout le monde a dit que c'était une tuerie. Ouais. C'est de la merde. Ah non, mais ça je l'ai même pas vu non plus. Comment ? Ouais, mais là, c'est... T'as un petit feeling avec Jack. Ouais. Faudrait juste que tu t'entraînes un peu, si tu trouves tes variantes et... Ça va d'aller. Mais il est cool, Jack, hein. Ouais. Jack, c'est cool, mon jeu. Si tu fais 2-3 trous, normalement, tu le chopes dans les airs. Mais tu sais pas si t'as optimisé ta variante. Ah non, je l'ai pas, cette capacité. Et genre, bas gauche rond, ça fait quoi? Et bah, toi, si tu l'amplifies, tu le mets en l'air en fait. Et tu peux choper les mécanes. Enchaîner avec droite, gauche, triangle et tu l'amplifies. D'accord. Il est stylé ton skin de Frost. Ouais, il est stylé. Ouais, il est bien. Ouais. Mais dabada. Tu es dans une tour, ça? Je crois que c'était une tour du temps. Mec. Ouf. Il a des bons normaux, hein. Ah, il est stylé, hein. Bien joué, Mathieu. Et je me posais une question, les gars. Persona, les Shin Megami Tensei, c'est les mêmes créateurs, non? Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Ah, je me rappelle, j'ai fait un Shin Megami, c'était avec Dante, je crois, sur PS2. Avec Dante de Devil May Cry, je sais pas si vous vous rappelez. Si, ouais. Ouais, il était cool, lui. Il était carrément Dante, cool. Dante, Matt et moi, on connaît, non? c'est mon poteau, moi, Dante. Bah ouais, Dante, c'est la base. T'as fait le 5, t'as fait... J'ai voyagé quand je jouais avec Dante, j'étais à une match, mais... Putain, ça fait de cul. Jackie Briggs. Jackie, ok. Par contre, je suis vert, on joue pas assez avec Dante dans le Devil May Cry. Ouais, c'est dommage. Mais il est fort, Dante. Il est fort dans le 5. Lui, ouais. Le jeu bien, il a trop de charisme. Enfin, moi, j'ai grave kiffé le jeu. Le 5, il était cool. Ouais, le 5, il était carrément cool. C'est un vrai beat d'amour. C'est un match, mais c'est compliqué. Et après, tu commences à kiffer, gros. C'est coup de passe, coup de balle. Ouais. Même Rebellion et tout, tu fais des combos, les bras de Nero aussi, c'est pas mal pour les combos. Je vais te donner, je suis un peu déçu de la fin, mais... Ouais. Tu le sens arriver, le Virgile, hein. Franchement. Ouais. De fou, mais tellement dès le début, tu le sens arriver. Kokoro, c'est bon, je le frite enfin. Yes.
Ah, bien vu ça. Ouais, mais FF, après le 10, y'a plus rien de bon. Le 12 à la limite. Ouais. Ouais, FF10, j'ai kiffé le gameplay. FF7, 8, 9, 6. Non, t'es pas un navet, hein, je pense pas. C'est juste que c'est pas un Final Fantasy. Ouais. Ouais, c'est un Xenoblade, quoi. C'est un... C'est l'univers, moi, qui me plaît pas, en fait, tu vois. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est trop, ouais, c'est ça, c'est trop actuel, tu vois, c'est trop, tu vois. Je t'avoue, j'ai jamais, je crois que j'ai jamais été, je me suis arrêté au 13-2, moi, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, tu vois. Ouais. Pourtant, j'aime bien le perso, tu sais, le caractère design du perso, le principal, tu vois. Tu parles au niveau de la personnalité ou du... Ou au niveau du skin? Bien joué, ça. Bien joué. Ouais, bien joué, ça. Par contre, le Sasuke, il envoie du bois, y'a pas à dire. Ah, moi, j'aime pas, à partir de l'arc Pain... T'as 12 armes légendaires à récupérer. Ouais. Quand t'as les 12 armes, t'as l'arsenal légendaire. Ouais. Y'a des chimères dans le jeu? Y'a des monstres légendaires et tout, t'as des monstres, t'as de quoi faire. Non mais t'as des invocations, je veux dire. Oui, oui, tu peux invoquer des skins, tu peux invoquer, ça peut les tuer, tu peux... Ouais, Shiba, Bahamut. Ouais, voilà, en fait, faut que tu les frites et après tu les as, quoi. Après tu peux les invoquer, mais ils ont les... Tu peux les invoquer. Ok. Ouais, elle est trop belle. D'accord. Ouais, c'est un peu comme dans Zelda Breath of the Wild, dès que t'as plus trop de vie, tu peux les invoquer en sauvetage un peu, ils te donnent un truc de ouf. Ah, Léviathan. Je connais pas du tout Jackie. Ouais, c'est bien battle, tu m'as bien gêné. D'accord, en besoin de la zone notée, en fait, t'as un dieu qui est propre à la zone, ça c'est stylé par contre. Ça c'est stylé. Et niveau scénario? Niveau scénario c'est sympa, mais c'est pas ouf. Ok, c'est pas ouf, ouais, ok. Bien joué les gars. Scénario, tu regardes Nier Automata. Ça c'est une claque. Mathieu, tu m'as pas suivi. Tu Nier Automata, tu prends trois chemins différents. Allez, Kitana. Non, je vais pas faire l'enculé, allez, Kotalkan. Encore pire, bah vas-y, Kitana là. Pourquoi Kitana? Kotalkan ou Kitana? Ou Devora, vas-y, Devora. Devora. J'aurais bien aimé Kotalkan, moi. Vraiment, vraiment. Pourquoi t'as... Bah ouais, je sais, contre Liu Kang, c'est le mieux. C'est mon meilleur match-up, c'est mon match-up que j'aime, que ça se balade tout seul. Enfin, ça se bat tout seul, ça dépend du mec du Kotal, quoi, pour l'instant, mais... J'aime bien. Ouais, carrément, faudrait que je le fasse. Bah, l'autre jour, tu sais, quand on avait fait une session, il y en avait un qui jouait Kotal et il se démerdait pas trop mal, après tu l'avais quand même bien... Tu te rappelles? Ah oui, le R d'un, il avait même son fond là, Kotal là, et il marquait Kotal, ouais. Et tout là, ouais. Ouais, voilà, avec, bah bon, il se démerdait un peu quoi, tu vois, il... Mais lui ça. Ouais, il avait Rasput après, je me rappelle. Oui. Ça qui m'énerve avec les mecs, c'est qu'une fois que tu les bats, tu sais, ils meurent direct. Comme oui, ça fait. C'est chiant, ça c'est chiant. Bien joué ça. J'ai jamais vu ce coup là. C'est stylé.
Même pas, moi je suis là pour le fun, moi. Non. Bien joué, gros. T'as une bonne défense, hein, John Barito. T'es patient. Oh, tu t'es balade. Oh, le retour. Chaud, ouais. Ouais, carrément, bien joué, mec. Ah, c'était... Ah, j'oublie à chaque fois celle-là. Ah, putain, bien vu. Putain, elle vient de nulle part, quoi. Ouais, carrément, mais tu gères bien, ça va. Les chiens de dévoir. Ah, c'est une TP en fait, d'accord. Ah. Shit. Devora joue les bases du jeu, enfin les bases élémentaires, les chops, les uppercuts. C'est bien, hein, ça paye. Ouais, bah oui. Bah ouais, après c'est pas évident, après c'est pas le perso. Ton perso, ton perso. Ouais, carrément de fou, mec. T'as une défense, ouais, ouais. Il m'a pas fait de merci, hein, on retiendra ça. Ouais, carrément, ah bah non, clairement pas, moi je suis dans la... Moi je fais pas de merci, y'a pas de merci, c'est Mortal Kombat. Ça dépend de l'adversaire. Si je crois qu'il est plus fort que moi... Exactement, si je crois qu'il est plus fort que moi, non. Je fais pas de merci. Personne, je prends qui de quoi si. Y a personne qui du coup merci. Tu vas prendre pourquoi tu vas prendre Shao Kahn. Shao Kahn, Aaron Black. Y a combien de persos en tout? Y en a une chier, non? 24. Bon. Ouais, pas tant que ça, là, non, ça. Bah après, avec les DLC, ils sont 8. Il y en aura 8 en tout. Il y en a 6 apparemment, non? Ah ouais? 8, bah, je crois. Ouais. Dans le 10, il y en a 8, hein. Là, ils ont fait de combat pack. C'est des DLC payants, c'est gratos. DLC payant. Non, payant. Payant. Mais ouais, c'est pas grave, t'as juste à attendre. Mais oui, moi je l'ai pas pris encore, moi. Ouais, mais est-ce qu'ils vont pas être fumés les persos quand ils vont sortir? Ah, mais de toute façon, moi, si je le Joker, ça va être pas mal. Et le Marine Steam Gang. Oh, je vais me faire déglinguer alors que je suis avec mon Ben là. Comment je suis trop fort? Le perfect de Shao Kahn. Le perfect de Shao Kahn. Bah, je suis pas très fort. Hein. Je suis pas très jamais fort. Donner Shao Kahn. Ah, vous avez vu le nom de ma variante? Elle est pas stylée. C'est quoi Chuck Norris? Chuck Norris. C'est Chuck Norris ça à la base, c'est pas ouais, Chuck Norris. C'est pour les droits d'auteur. Tu veux pas avoir de problème avec l'artiste? Ah, il est terrible. Donc, Philippe Maurice, ça va être pas mal aussi. Philippe Maurice, hein. Là, mais en plus, c'est parce qu'il a un coup là que j'utilise. Donc, dans cette variante, il y a un truc que je sais pas faire du tout. Enfin, j'ai pris deux améliorations que je sais pas du tout.
ça ou ça. Voilà. Oh la victoire de Shao Kahn. Comment je suis trop fort, j'ai joué Shao Kahn. C'est fini, je joue Shao Kahn maintenant. Temporise ton perso et Run Black. Faut que tu le temporises. Faut pas que t'attaques dans le vide comme ça parce que tu t'es une safe après. Faut que tu le temporises. Oui, Shao Kahn. Comment il va, le coup qu'il va faire et tout. Bah ouais. C'est du zoning. En fait, c'est continuer à tirer et avancer en même temps. Comme ça après tu mets un coup de cross soit en overhead soit en uppercut. Parce que sur pas mal de coups t'étais unsafe tu vois, il a pu en profiter. Faut vraiment que tu t'entourais ton perso, que t'arrives à prendre ton temps d'analyser sa manière de jouer et tout. Je prends qui? Prends Iron Black tiens. Oh. Oh non. Bah ouais, tu verras ce que ça fait d'être dans la peau là. Du mec qui s'est fait sortir. Perfect, en plus je suis fier de moi. Je suis tellement fier avec Shao Kahn, t'es qu'improbable. Trop improbable. Je sais pas, j'ai eu un bon feeling. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, t'as été positif. Allez, go. J'ai pas compris. J'ai pas compris, Hit. Ce que tu m'as dit. Only, j'ai pas compris ce que tu m'as dit. Ah, non, je disais que t'as bien géré avec ton côté Alcan, quoi. T'as fait la shop, t'as fait hypercute, enfin des coups de base. Ouais. C'est vrai qu'en plus. Il est vachement puissant donc. Il fait des dégâts, ouais. C'est ça en fait, des hypercutes, des trucs, ouais. Il dit s'en endormir sur sa manette. Ouais. Ça va être une victoire pour Iron Black. La troisième d'affilée. À combien je le trouve le mortel? 46, le moins cher. Ouais, mais non, mais mec, je le trouve à moins cher. Bah, sinon, faut que t'ailles en Angleterre, tu prends sur le forum UK. Yo please. Non. Et putain comment je l'avais. Je chope sur goclcd.com et Ah merde, c'est à moi. Putain. GoclCD, mais il pèse combien? Il pèse 40 gigas le truc, désolé. Ouais. Oh c'est Todo, il faut que tu fasses arrière avant rond pour dégainer le fusil. Ah c'est ça que je me demandais, ok d'accord, c'est ça que je me demandais. Tu veux faire ça, ok. Ok. Tu veux tirer, si tu veux tirer couché, il faut que tu fasses bas triangle au moment où ok, ça roule. Salut. 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 Salut maintenant. Ah non, je suis jeté en l'air. 690 Mikasa sur Amazon. Oh merde. Il a 46,90. 47 euros quoi. Et pour recharger, faut que tu passes arrière avant rond et ensuite tu restes appuyé sur rond. Ok. Donc tu dégages la fusée. Par contre, je l'ai expédié, c'est une à 3-5. Et comme combo, t'as quoi? Je vais prendre en magasin direct. Ah non, mais c'est pas. De toute façon, je sais où je vais le prendre en démat, mais je sais où. Je verrai comment tu défends ce machin. Donc tu vas t'appuyer sur rond pour recharger en continu. Ouais, non, mais comment tu. Surtout, tu fais des combos. C'est quoi ces combos? Tu les vois comme combos, genre? C'est beaucoup avec la. Justement, c'est beaucoup avec le fusil quoi. Tu fais un triangle. Quand t'as le fusil dans les mains, que tu prends de l'adversaire, tu fais un triangle. Déjà, tu l'envoies en l'air. Ok. Tu peux faire ensuite enchaînement triangle carré, triangle. Ok. Ouais, c'est triangle carré, triangle carré, triangle. Mais il est chaud, hein. Il est chaud à faire l'enchaînement. L'enchaînement de coup de poing. Oh. Ouais, ouais. Sub-Zilou, tu vas mourir. Rond, reste appuyé sur rond. Ah merde. Pas grave. Je vais sur les normaux. Si je peux. Un gagnant. Shit. Pas de merci. Alors, il a pas dit merci. Pour la troisième victoire. Ah non, j'ai pas dit merci. Je vais me faire niquer ma. Ah oh, quel bordel, putain, j'avais un rendez-vous. Comment on va, please?
C'est lui qui met un 5. Oh, c'est affreux, c'est affreux. Salopard. Vous vous rappelez hier tous les merci que j'ai pas eu? Hein? Et bah, c'est ma vengeance. C'est ma vengeance personnelle. N'oubliez pas tous les. Ouais, ouais. Vous savez ce qui était là. Vous savez très bien. Bon, Mathieu, c'est parti. D'ailleurs, Game of Thrones, ça part en couille. Hein. Je suis très déçu. Qui je prends? Tu lui dis de prendre qui du coup? À Todo. Ah oui, pardon. C'est lui prendre. Collector, hein. Oh. Sûr? C'est comme Shao Kahn, je maîtrise grave. Hein. Prendre Déborah, c'est une sorcière sûre. Alors? Non, non, collector, collector. Shit. Merde. Non, j'aurais préféré. Ouais, bah ouais, un petit peu. Un petit peu plus déjà. Collector. Ouais, il est bien, ouais. Il est bien pour ceux qui veulent jouer collector. De gauche, quel X, c'est un bon truc. Ouais, ouais. Tu sais que dans la partie chat, tu peux mettre en mute. Si t'as un mec, tu peux mettre en mute. Ça fait que celui qui se fait battre, tu le mets en mute le temps de sélectionner le prochain perso. Hein, ouais, tu, prends, tu fais une fausse voix et après tu le refais venir après. Ouais, il est fou, moi, ton combat. Il est fou. C'est quoi tes points bleus là? Il est le skin. Ouais, on dirait un peu. De toute façon. Jaune et noir sur Liu Kang, ça, à mon avis, c'est un petit clin d'œil à Bruce Lee. Mais oui, carrément. Oh, le Fatal Blow, le Crushing Blow. Oh là là. Le vrai clin d'œil à Bruce Lee, c'est les baskets Asics jaune et noir, tu sais. Oh, on l'a branlé. Dans quoi? Ils n'ont pas dit ça, les chaussures de cette couleur là. Non, ils n'ont pas dit. Mais dans Tekken, tu peux vraiment habiller ton beau comme Bruce Lee. Ah ouais, carrément. Ah oui, carrément, ouais. Ils ont Tekken 7. Tu peux habiller ton beau. Ouais, ouais, bah ouais, carrément, depuis longtemps ça. Dans le 3 déjà, il y avait le costume, je crois. Ouais, dans le 3, c'était vrai, ouais, dans le 3. Et Paul, je l'ai habillé en Mario. C'est comme Mario. Exactement pareil. Mario Bros. Ouais, Mario, ouais. Ah, d'accord. Avec la moustache et tout. Ouais, c'est vrai que c'est des fois que tu vois des costumes dans Tekken. Vraiment, ils sont partis loin, ouais. Ah, ils sont partis loin. Ils ont fait vraiment dans le. De toute façon, déjà à partir du moment où elle les a mis en panda ou. Bien joué! Bien joué ça! Une costume d'animaux, ça fait pas très crédible! Il y en a un qui peut mettre les limites à poil, hein! Il a juste un string! Oui! Ah non! Après, ouais! J'allais dire, après, ça peut être un skin qui s'apparente au. À un Gunryu, parce que c'est un sumo, alors bon. Non! Espèce de culotte ouais. De sumo! Ouais, ouais, c'est vrai! Oh, c'est gentil! Bah je t'en prie. Toi lui c'est pas un facho au moins. Oh là 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 là. La sortie, c'est la sortie, c'est par ici. Bien wesh. La PLS. La PLS. La PLS.